Tu m'as fait un petit fuck, toi, petit con. Et bim, mon gars. C'est bon, je crois que j'ai tué quelqu'un dedans. Allez, maintenant je me casse. Attends, le mec il me fait un fuck, moi je riposte, hein, direct mon gars, fusil à pompe, mitraillette, tout quoi. Tout le bordel. Faut pas déconner quoi. Ah putain, fallait qu'il y ait quelqu'un en face. Foiré. Mais putain. Non mais, oh, ils savent conduire là les gens ou pas là? Putain, je tourne à gauche, ils me tournent à gauche pour me couper la route. Non, mais... Sans déconner quoi. Faut aller en bas là, je crois. Ouais, je pense dans la cuisine. Ouais, c'est bon. Hey man. What do you want? I'm your friend. I don't want any. Huh? Come on, your company's good enough, huh? Same as always. Yeah. Thanks. I really appreciate that. So, family ain't back yet, huh? She's a goddamn fool, man. Despite all the chaos of these last few weeks, I think I finally figured it out. I know, mm-hmm. Sounds ridiculous. No, actually, it does not sound ridiculous, you know? Because you... You're a killer. You know? You are a man of action! You do not sit on couches, you take scores! You're back, man. We are back! All right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. It's great. And so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job, and then we're gonna dissolve the partnership. This is not a game to me, all right? This is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Oh. Fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. Dead? Not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare! Yeah, enough with your goddamn threats! Man, let me just ask you something. All right, something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! Trevor! Hey! T! Allez go, alors là je pense que ça va être une... Oh merde, il m'a piqué ma voiture. Oh l'enculé, il m'a piqué ma caisse. Oh putain, génial, une voiture de course juste derrière. Oh là là. Hey, come on, where you going? You know where I'm going, fuck you. You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back in my house. Come on. Oh le bruit qu'elle a fait la nana quand je l'ai écrasé, j'ai dû la dépiquer quoi. Merde, c'est bon, ça roule toujours. Oh non, non, c'est clair et raison thought.
finally! Stop your car, come on! Come back, we'll talk! I'm not gonna listen to another one of your lies! Putain, mais avancez là! C'est rouge là, les gars, faut avancer! Just stop the car, turn around! I'm going up there to see it for myself! You'll be disappointed! Oh, I'll be something! It'll be an anticlimax. The grave's empty! Just a bag of sand, something like that! Just smoke and mirrors! Voilà, et je conduis vraiment comme une merde là. J'essaie de lire ce qu'ils disent là, c'est impossible. Trevor, come on. Fuck you, Michael. Soon enough, I will. Shit. Special Agent Norton. Shit. Davey. Shit. Allez, mais ouais, mais je vais tous les éclater, ces putains de civils de merde. Conduit comme des merdes là. Putain. Merde. Attends, il conduit avec un téléphone là. Then what? Then who fucking knows what? I don't know. I'm gonna go see if I can reason with him. But I come, but I. Yeah, don't worry about it. This is between me and him. Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list. That's good to know. There's a shooter set in the most culturally terrifying place in the world. Putain, je dois aller en haut. Merde. Putain, le pauvre Trevor là, il s'est barré là. Why don't you show some class? Il est où? Putain, allez au cimetière. Putain, il neige et tout, là, on est où? Listen, Amanda. We're going to move to Los Santos. Start over. Putain, on n'est pas dans un autre pays, là? The slate, we totally wipe clean. Ça défonce, il y a de la neige et tout sur notre voiture. Trust me, darling. Look at me, Amanda. Putain, je m'en rappelle plus, là, j'ai loupé un truc, là. Merde, on a été dans quelle région, là? On peut pas élargir la map. À mon avis, on a été dans un autre pays. J'ai dû peut-être rater quelque chose. Ah. Voilà, les accidents commencent à arriver. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va dire que rouler dans la neige, c'est juste le truc le plus impossible à faire. Je pense que la neige influe bien vraiment sur la tenue de route. Parce que là, ouais, je sens vraiment que ça glisse à max. D'ailleurs, c'est l'endroit où on avait fait le braquage. Je sais pas si vous vous rappelez. Et aussi, on va essayer de voir un easter egg. Donc un easter egg, je sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des objets cachés, on va dire. Donc regardez bien. Je crois que c'est par là. Il n'y a pas un extraterrestre par là? Ah si, il est là. Regardez. Attendez, je vais vous montrer sur la map. Toc. Toc. Je ferai peut-être une petite vidéo séparée. Donc là, je vais peut-être échouer dans la mission. Regardez l'extraterrestre. Donc, il y a un extraterrestre
qui est glacé juste là. Et oui, il y a des petits extraterrestres dans le GTA. Donc je ferai peut-être une vidéo séparée. Ah ouais, mais maintenant je peux plus remonter. Merde. Allez, on va remonter par là. Donc je vais pas trop rester hein, pour le regarder. De toute façon, je ferai peut-être un moment de ralenti. Allez, putain, monte. Connasse de caisse, là. C'est bien l'endroit où on avait fait le braquage. C'est bien ici. We did it. Maybe we are home free. It's over. This is fucked, man. They just won. Just this one job and everything is done. Allez sur votre tombe. Et oui, parce qu'on... Comment on fait pour passer? Et oui, parce que Michael a été enterré, mais au final, il n'est pas mort. Donc, il y a forcément quelqu'un qui est à notre place dans la tombe. Mais qui? On va bientôt le découvrir. Bon, normalement, on ne doit pas courir dans un cimetière. On ne doit pas escalader dans un cimetière, je vous le rappelle quand même. Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey, huh? When's it gonna stop? It happens in the dark. It comes out in the light. Oh, give it a rest, Trevor. There's nothing there. Is it? Moment of truth. As if I didn't know. Brad. Look. We do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, and how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground, or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's it. Ah oui, Brad, c'était le blond qui était avec nous. Je sais pas si vous vous rappelez. D'ailleurs, qui s'était fait prendre, qui s'était fait prendre une balle, et après ça a été nous, et nous on a survécu. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger. You ain't got the guts. Take the fucking shot. Who is that? Fuck! Joe Phillips, Mr. Chow has requested a word. Hey, ho, ho! I'm not the guy you're looking for. Hey, how's it doing? How's it doing? Get the boyfriend. Motherfucker. Oula oula oula, montez dans la voiture. Oh, attendez, faut juste que je prenne. Ah ouais merde, j'ai que ça comme pistolet. Merde, y'a d'autres voitures qui arrivent. Oh la boulette. Attendez. Là, il y en a là. Voilà.
Ça va que j'ai pas mal de balles. Attendez, il y en a un derrière. Toi, t'es mort, mon gars. Attendez, on va essayer de tous les tuer. On sera débarrassé. Ah, petit AK. Toujours plaisir. He's getting away. Ils ont des gilets pare-balles ou quoi là? Parce que je leur mets mon gars, je les allume. Putain, faut vite remonter dans notre bagnole. Gagner l'aérodrome. Eh ben écoutez, on est parti. Coup de téléphone. Phillips Industries. Mr. Phillips, this is Wei Cheng. You know my eldest son Tao. Yeah, the ex-nut. Backed out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Was that your people? Ah, oh, of course. Sorry I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County, but your business and your temperament prevent me from making inroads. Oh, well, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa, 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 whoa. My lover? Michael DeSanta. You live in your trailer together with the maid, and then you were alone in that big house. Well, you're clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? My lover, yeah, right. It's a tough break. I'd never want to double cross a friend and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him I love him dearly. Chang Tignan. Allez go, on est bientôt arrivé, je pense. Là normalement on est pile en face de l'aérodrome. Donc je dois m'atterrir apparemment. Je me suis absolument mal placé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un demi-tour. Et on va essayer de se ratterrir tranquillement. En mode pause, tu vois. Et ça doit passer crème. Et voilà. Allez, go. Et là, on n'a plus qu'à aller en face. Merde, putain. Par contre, je me suis atterri un petit peu loin de l'objectif.
Faut pas que le truc par contre il redécolle. Moment de vérité. Alors attendez, 3 secondes, vous avez découvert qui était vraiment. Arrivé à Braddock. Oui, parce que c'est vrai qu'au début, je crois qu'on se demandait, ouais, est-ce qu'il avait arrêté le braquage, mais au final, pas du tout, il est mort. Bon, et bah écoutez. Je vais peut-être. Il y a pas. Ouais, je crois qu'il y a un véhicule là-bas, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement piquer un véhicule et continuer l'émission tranquillement. Est-ce qu'il y aura un véhicule par contre? Attendez, il y a un mec là, c'est qui? C'est un garde du corps? Bon, si tu veux. Donc ça, c'est la caisse de Mikey. Vu que je vais piquer sa voiture. The grass is always greener, walk a mile in my shoes. What's a $1 finish to $1 million move? Want more than just a cliche to get me through the day, but I get mad at myself 'cause I can't find the words to say. The grass is always greener, walk a mile in my shoes. What's a